Bem, bom dia a todos e a todas. Nós vamos começar, então, com a palestra do professor Patrick Trabal. O professor é professor de Sociologia na Universidade de Paris Ouest Nanterre, é pesquisador da Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais e do Grupo de Sociologia Pragmática e Reflexiva da Ecole. Ele trabalha... Suas pesquisas, ele trabalha sobre sociologia do esporte, sociologia do risco, sociologia da educação, sociologia da ciência, sociologia pragmática e socioinformática. A palestra dele é por uma sociologia do tempo dos atores. Tá? Então, ele vai falar em torno de 40 minutos e depois nós teremos um pequeno tempo para discutir. Ok? Então, vou passar a palavra ao professor Patrick. Merci Jacob, merci à tous. Je voudrais commencer par dire combien je suis heureux d'être ici parmi vous. D'abord pour découvrir encore une fois ce beau pays, mais surtout pour rencontrer des collègues. Donc merci aux organisateurs de l'ANPOX pour cette invitation et pour cette occasion de discuter un peu de nos travaux. Je vais donc vous parler d'une sociologie du temps, d'une sociologie du temps des acteurs. L'analyse du temps, des temporalités, de l'histoire a longtemps figuré parmi les préoccupations des sociologues. Je ne vais pas me livrer ici à un nouveau commentaire de l'historicité chez Weber, je ne vais pas discuter des différentes approches de l'histoire sociale, je ne vais pas non plus me proposer une présentation académique de la façon dont Bourdieu travaille la question du temps dans la constitution des habitus et des champs. Vous connaissez tout cela très bien. Et je préfère discuter avec vous d'approches récentes, peut-être moins connues. Et si je renonce à partir des théories classiques, ça sera sans doute pour mieux les expliciter et mieux raconter comment, dans les groupes de recherche dans lesquels j'évolue, nous abordons la question du temps. Je travaille dans cette tradition née en France à la fin des années 70, mais surtout dans les années 80, que l'on appelle souvent la sociologie pragmatique, parfois les nouvelles sociologies. Ces dénominations ne sont pas vraiment satisfaisantes parce qu'elles supposent une relative unité, alors qu'en fait, il existe quelques divergences entre les différents auteurs, quelques querelles de famille, comme on dit chez nous. Mais pour soumettre à la discussion la façon dont nous abordons la question du temps, mon exposé se propose de présenter ces sociologies à travers cette notion de temps des acteurs, dans un premier temps, et de préciser ensuite notre travail empirique à partir de trois objets sur lesquels nous menons des recherches actuellement, et donc des façons sur lesquelles nous travaillons cette dimension. La sociologie pragmatique remonte en gros dans les années 80 et elle se nomme ainsi en raison d'une dette envers les philosophes pragmatiques comme Peirce, comme James, comme Dewey. Et ces sociologies renouent avec la sociologie morale et politique principalement à travers deux pistes. De façon assez indépendante, Luc Boltanski d'une part et Bruno Latour d'autre part s'intéressent aux temporalités dans les épreuves que traversent les acteurs. Bruno Latour va participer, vous le savez sans doute, au renouvellement de la sociologie des sciences et des techniques en s'inscrivant en cela dans un mouvement beaucoup plus large connu sous le nom des sociologies des technosciences, les STS. Et dans cette perspective, un énoncé scientifique, ce n'est pas simplement le résultat d'une découverte scientifique qui reposerait sur une capacité du chercheur à séparer la science de la société, mais c'est le résultat d'un rapport de force à l'issue desquels l'énoncé a surmonté une série d'épreuves. Et donc un énoncé scientifique, c'est un énoncé qui tient dans le temps, qui résiste à des forces hétérogènes, humaines et non humaines, et qui, à tout moment, peuvent le faire choir. Et si on s'intéresse à la manière dont on peut résister dans le temps, on ne peut pas parler de résistance sans parler du temps.
En s'intéressant à des objets hybrides, par exemple l'avion que j'ai emprunté, on peut décrire à la fois des notions mécaniques, la portance, l'écoulement, les parties de l'avion lui-même, les dispositifs issus d'un travail collectif qui permettent de nommer une équipe navigante, de définir un plan de vol, de construire une piste d'atterrissage adéquate au décollage et à l'atterrissage de l'avion. Tout cela, ce sont donc les théories de l'acteur réseau et elles permettent d'analyser le temps nécessaire pour que ces objets se stabilisent éventuellement, comment ils peuvent, hélas, parfois dysfonctionner. Généralement, les auteurs qui s'inscrivent dans cette perspective s'efforcent d'étudier les façons dont surgissent, s'expriment, se discutent, se gèrent des entités qui apparaissent, qui disparaissent, comment on peut agir dans un monde incertain, pour reprendre le titre d'un ouvrage assez célèbre, et donc un rapport au temps. L'autre valence, développée par Boltanski dans les années 80, renoue avec la sociologie morale puisqu'elle se propose de préciser comment peuvent se faire des accords. En opposition avec la sociologie de Bourdieu, je vous rappelle que Boltanski était son étudiant, Bourdieu qui divise, vous le savez, le monde social en champs, qui s'intéresse à la distinction, Boltanski ne va pas saisir comment ce monde social s'oppose, mais comment il peut tenir. Comment le monde social tient ? Et la réponse de Boltanski, c'est dans la morale. C'est parce que les acteurs partagent une commune humanité, des grammaires, des capacités à s'entendre sur des principes de justice et sur l'ordre moral, qu'ils peuvent résoudre leurs différends. Au centre de ces modèles figure la notion d'épreuve, qui permet, je cite Boltanski, d'articuler un idéal de justice dont les personnes de notre société ont le sens et qui est développé dans l'axiomatique de la cité, avec des situations de dispute où cet idéal est mis en pratique. Et pour cela, il convient de doter des acteurs, et c'est encore Boltanski qui parle, de la possibilité de faire des anticipations sur l'avenir, et par conséquent de conférer aux résultats de l'épreuve actuelle une certaine validité sur une certaine durée, et de garder en mémoire les résultats des épreuves antérieures, de les transporter dans le temps quand ils doivent faire face à de nouvelles épreuves. Et on mesure la rupture avec les Bourdieu qui s'efforcent de décrire des jeux sociaux en les rapportant aux caractéristiques les plus stables des agents, le sexe, la catégorie socioprofessionnelle, les titres scolaires, c'est-à-dire des variables qui a priori ne varient pas dans le temps pour un sujet du nez. Ici, on va s'intéresser en situation à décrire l'action en recensant les forces engagées, les principes moraux des acteurs qui vont s'instancier et dont le résultat est incertain et peut se stabiliser pour un temps a priori non défini. Et donc, à l'opposé d'une sociologie bourdieusienne qui vise à identifier les lois de la gravitation sociale, l'expression est de Bourdieu dans le texte de 98, Leçon sur la leçon, ces modèles vont insister sur l'action in situ, en tirant parti du développement de l'interactionnisme, de la sociologie cognitive de Sicurel, notamment lorsqu'ils prennent en compte les jeux de construction d'une mémoire des épreuves antérieures et d'anticipation. Comme le propose Dodier, le pragmatisme, ce n'est pas la prise en compte de l'action concrète et immédiate, mais c'est, Dodier qui parle, le souci d'intégrer du côté du futur la plus grande gamme d'horizons temporels des agents et, dans la mesure où ils apparaissent clairement comme pertinents dans le déroulement de l'activité, et du côté du passé, d'être attentif à toute la palette des supports de mémorisation des ressources effectivement mobilisées. Alors, un exemple de ce type d'approche, on peut citer les recherches de Château-Renault qui étudient le travail des acteurs, notamment pour poser une qualification de faute professionnelle. Il décrit les processus des acteurs pour construire des séries d'épreuves, les mettre bout à bout,
travailler leur mise en équivalence, discuter les façons dont sont qualifiées les personnes, les dispositifs, le matériel, pour transposer le tout dans le vocabulaire juridique correspondant. À ce titre-là, il s'agit bien de regarder comment des acteurs peuvent passer d'épreuves de force, qui marquent la sociologie de la tour, à des épreuves de légitimité, pour reprendre l'expression de Boltanski, et réciproquement. Ce sont les travaux sur les risques entrepris à la fin des années 90 qui ont permis de développer encore plus l'attention portée au temps des acteurs. Cette expression de Raymond Duval, il la pose quand il discute la phénoménologie husserlienne du temps et il travaille la notion de vigilance. Être vigilant, c'est être attentif aux variations, d'être capable de repérer des changements, des transformations. Il faut les mettre bout à bout pour lancer une alerte, mobiliser des acteurs qui pourront la relayer. L'attention à ces variations suppose là encore une capacité à relire des événements passés, à évaluer en situation leur propension à poser des problèmes dans l'avenir. À ce titre-là, on est assez loin des théories de Beck par rapport à la vigilance. En effet, cette capacité de vigilance, qui est d'ailleurs exigée par les institutions en cas de danger, enfin en France par exemple, quand les autorités redoutent des attentats, eh bien ça va être au fondement de la gestion des risques. Beck ou d'autres auteurs qui travaillent sur la perception du risque ne s'intéressent au risque que quand le cas où il est rapporté à un espace de calcul, généralement probabiliste. Et être ici, si on nous demande d'être vigilant dans cette salle, il faut essayer de saisir ce qui pourrait poser un danger. C'est d'essayer de mobiliser ces expressions antérieures, de les confronter à ce qui se passe ici et maintenant, et surtout de ce qui pourrait advenir. Mais une fois l'alerte lancée, il faudra gérer le risque. Château-Renaud et Torny ont montré comment des actions à mener étaient liées au jeu de qualification des entités et des personnes, mais aussi aux discussions sur le temps pertinent de l'action. Doit-on agir dans l'urgence? Faut-il se donner un délai pour authentifier le danger? Quelles formes de veille, de vigilance doivent être inscrites dans des dispositifs censés prévenir le danger? Le travail réalisé, en analysant des corpus de textes, j'y reviendrai, vise à analyser des petits marqueurs temporels. Par exemple, prenons cet énoncé que j'ai trouvé dans la presse française. La forêt du Brésil ratiboisée, les Indiens d'Amazonie importeront bientôt des parasols. C'est le bientôt qui m'intéresse. Bien évidemment, c'est aussi la forêt amazonienne, mais ici, c'est le bientôt. Qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie qu'il faut faire vite. Mais il signifie aussi qu'on a un délai, on ne va pas se précipiter. Et, vous voyez, on peut faire une sociologie du bientôt. Une figure classique de l'alerte s'exprime sous la forme « si on ne fait rien tout de suite, il sera trop tard ». Des fois, on entend déjà l'expression « il est déjà trop tard ». Mais cette formule est en fait un peu paradoxale, parce que si on cherche à mobiliser des acteurs sur la nécessité d'agir, c'est que l'on peut croire raisonnablement à la réversibilité de la situation. Depuis ces recherches qui s'intéressent au lien entre les modalisations du temps et de l'action, on s'intéresse depuis les années 2000, plus spécifiquement, aux formes de scénarisation du futur. Ce mouvement, qui s'inscrit assez naturellement dans la suite des précédents travaux, est également au développement des travaux sur l'argumentation. Les actions collectives reposent souvent sur des argumentations, mais celles-ci ne portent généralement que si elles sont articulées avec des expériences du monde sensible, médiées si nécessaire par des dispositifs, ce qui permet d'ouvrir des angles du futur. Et il s'agit à ce titre-là d'examiner les stratégies visant à rendre plausible le futur auquel on croit. Alors on a repéré plusieurs figures. Il y en a une qui consiste à construire des séries passées pour en dégager des tendances.
La forêt amazonienne s'éclaircit de plus en plus. Mais on peut aussi croiser différents points de vue dont la totalisation rend inévitable la vision du futur proposé. Par exemple, en croisant les regards d'un spécialiste du climat, un autre des migrations, un troisième de l'agriculture, un dernier de l'économie. On peut défendre une conception déterministe selon laquelle tout ce qui adviendra est largement indexé sur des situations antérieures. L'homme continue à détruire la Terre. Le travail des acteurs dans ce cas peut reposer sur des formes de dévoilement pour asseoir une représentation du passé en montrant combien des forces s'opposaient à ces lectures. Déjà dans les années 70, on disait « mais vous ne nous croyez pas ». Certains s'efforcent de programmer le futur en imposant un travail politique pour planifier, pour organiser des projets, pour aligner des acteurs et des réseaux. Le futur, dans ce cas, eh bien, ce sont les prochaines conférences du GIEC, du groupe international d'études sur le climat. En fait, on peut aussi laisser le futur indéterminé pour plaider sur une forme de présentisme. On trouvera bien une solution quand les problèmes se produiront. Mais par exemple, aujourd'hui, il faut assurer le développement de notre pays. En recensant ces figures, Châteaurenault défend l'idée d'une balistique et troque la notion d'ouverture d'avenir pour celui des angles d'ouverture du futur. Il oppose une version constructiviste du futur qui serait une concaténation projective des séries passées. Je construis des séries passées, j'évalue en situation présente en fonction de l'histoire, ainsi construite pour projeter un futur qui va orienter l'action. Et la proposition ici est en fait d'intégrer des contrefactualités produites par les acteurs, des probabilités subjectives. Par exemple, on n'a pas eu, pour l'instant, voyez le marqueur, on n'a pas eu encore d'accident nucléaire grave en France, mais ça peut arriver. Pour envisager plusieurs futurs, ce qui revient à interroger la capacité d'abduction en fonction des séries passées, des contrefactualités et de la perception de la nature des processus en cours. Pensez en termes d'angle de vue, les variations que vont subir les acteurs à leur vision du futur traduisent le degré d'opacité ou de clairvoyance autorisée par les entités et les relations qui sont mises en perspective. Cette phrase est de Châteaurenault. Ces derniers développements, explicités donc dans un ouvrage récent, sont de nature à relancer les investigations sur une série de terrains. Mais avant de préciser la façon dont on peut mobiliser tout ça, tous ces concepts, je voudrais préciser notre méthodologie. Pour tenir ce programme, notre groupe de recherche a en effet développé spécifiquement une suite de logiciels. Je me propose de les préciser un peu les principes qui les sous-tendent, enfin qui sous-tendent le logiciel Prespero, puisqu'une partie de mon séjour au Brésil se déroule à USP, à l'université de São Paulo, et vise avec des collègues brésiliens à le traduire en portugais. Aussi, au-delà d'une présentation classique de la méthodologie dans le cadre d'une conférence académique, cette partie peut se donner à lire comme une invitation, parce que peut-être quelques personnes parmi vous, un peu francophones, pourront être intéressées pour entrer dans la dynamique qui s'est enclenchée depuis la semaine dernière pour traduire ce logiciel en portugais. L'idée, c'est de repérer qu'il existe une pluralité de traitements des corpus de texte, notamment statistiques. Nous avons construit des outils informatiques qui permettent de relier quatre dimensions, qui faisait souvent l'objet de formalisations jusqu'à présent séparées. Une dimension statistique, qui permet de traiter une grande quantité d'énoncés, vous connaissez sans doute la lexicométrie. Une dimension sémantique, capable de rendre compte des significations attribuées à des thèmes, à des personnages, à des formules, à des argumentaires. Une dimension historique qui renvoie au phénomène de gradualité, de rupture sur le passé, d'engagement du futur, on est au cœur de mon propos. Et bien sûr, une dimension pragmatique liée au cadre de l'action et de l'énonciation. Les textes de nos corpus peuvent ainsi se décrire dans ces quatre dimensions sans subir de réduction dommageable à de bonnes interprétations théoriques,
Mais pour cela, il faut interroger les stratégies de codage des éléments du discours. Et nous pensons que pour avoir du sens, la représentation de structures textuelles doit assumer que le chercheur est lui-même conduit à interpréter des textes. On s'inscrit à ce titre-là dans une tradition que vous connaissez un peu peut-être, celle de Gadamer, qui dit qu'il n'y a pas de texte sans lecteur et qu'il n'y a pas de lecture sans interprétation. Donc le logiciel et les programmes qui l'accompagnent sont précisément construits autour de cette exigence. L'utilisateur doit pouvoir produire des interprétations et doit pouvoir les évaluer. En d'autres termes, ces outils ne sont pas là pour objectiver un contenu de texte, car ça supposerait qu'il y ait une vérité enfouie dans le corpus lui-même, mais pour aider le chercheur à mener son enquête en lui permettant d'évaluer la pertinence de ses interprétations en l'accompagnant dans sa réflexion. Concrètement, c'est à l'utilisateur à créer des dictionnaires, des catégories, des collections, à en tester la pertinence en les confrontant au corpus. Et même si on n'est pas dans une perspective positiviste, nous nous soumettons à l'exigence popperienne de confronter en permanence nos idées, nos formalisations en stratégie d'indexation à la réalité d'un corpus. Pour revenir à mon propos sur le temps des acteurs, nous avons construit de nombreuses catégories qui permettent de recenser systématiquement des précédents avec des marqueurs comme la première fois, un tournant, ça ouvre la voie, il y a déjà eu des échecs de tentatives antérieures, en vain, sans réponse, n'a pas marché, aucune solution. L'actualité, aujourd'hui, récemment, en vigueur, en ce moment. Le futur proche, bientôt, nous y revoilà. Prochainement, on verra, dans les années à venir. L'urgence, rapidement, au plus vite, immédiatement. L'extension temporelle et la durée, depuis plusieurs mois. L'irréversibilité, le désormais, dorénavant, inévitable, condamné à, etc. Alors, pour expliciter une partie du travail accompli avec le logiciel, pour créer des objets qui permettront de suivre une piste, éprouver une idée, tester une hypothèse, on a saisi plusieurs objets qui pointaient, par exemple, les précédents. Donc, certaines rencontrent un écho dans le corpus, donc ça c'est la colonne du milieu, d'autres échouent, c'est la colonne de droite dans ce corpus, mais elles peuvent fonctionner sur d'autres. Là, j'ai sélectionné, je ne suis pas sûr que ce soit très lisible, en plus c'est en français, la question du précédent. On peut repérer toutes les formes qui marquent un précédent, et en dehors d'un comptage, etc. Ce qui est intéressant, c'est de repérer tous les précédents, systématiquement, qui vont en fait figurer comme des appuis des acteurs. Par exemple, là on est sur une question de dopage sportif, eh bien, on peut repérer tous les précédents qui ont réellement compté. En dehors de l'exploration du corpus, on peut identifier ainsi les séries antérieures des acteurs, les façons dont elles sont mobilisées dans un argument, les futurs, les angles de futur. On peut chercher à formaliser, à modéliser ces figures, à saisir des enchaînements remarquables ou fréquents pour construire les modèles évoqués précédemment. La présentation du travail empirique permettra sans doute de mieux comprendre mon propos. Je propose de l'évoquer en trois terrains. D'une part, le dopage sportif, qui permettra de repérer la temporalité des pratiques. Des histoires de sécurité informatique pour expliquer la notion de vigilance. Et les débats sur les bio-nanotechnologiques pour préciser les controverses d'anticipation et donc de futur, qui engagent notamment le devenir de l'être humain. Sur la question des pratiques dopantes, le dopage sportif est un objet très intéressant pour la sociologie, pragmatique, dès lors qu'elle s'efforce d'étudier comment s'articulent des dimensions axiologiques de la lutte antidopage, des représentations qui circulent dans l'espace public, des dispositifs qui cherchent même à saisir des milieux marqués par des pratiques illicites. Le groupe que je dirige travaille sur des questions éthiques, sur l'action publique, sur des dispositifs de contrôle, de sanctions, de prévention, mais aussi sur des pratiques prohibées elles-mêmes.
Plus précisément, on s'efforce de croiser la sociologie politique, la sociologie de la santé, la sociologie des sciences, la sociologie du droit, la sociologie des médias, la sociologie du sport,